Yup, tout le monde, c'est MLR7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, comme d'habitude, pour l'événement qui est en cours, donc de l'amplificateur d'énergie. Donc il y en a actuellement 3 disponibles que j'ai pas fait. Normalement j'aurais dû le faire hier la vidéo, mais hier j'ai pas joué vu que j'étais avec un ami. Du coup j'étais de sortie quoi, finalement j'avais la flemme d'allumer la console tout simplement. Et le mercredi soir bah il y a le catch hein, vous savez. Et je vais raconter de la merde vu qu'hier on était jeudi et le catch était mercredi. Mais bref, je sais plus ce que j'ai fait du coup. Bref, passons. Le mec il pégaye. Donc on va faire la suite. Hein. On avait fait la première partie, on avait été nul. On avait fait un x1. Je vais rester en x1 en vrai. Ou on met direct en x4. Je crois que j'avais dit que j'allais faire x4 tout de nouveau en vidéo, mais. Non, vas-y, tu sais quoi, go faire x4 maintenant, hein? Non, mais après, ça nique tout le processus. Non, tu sais quoi, je te 100 fois, hein, tant pis si on fait pas les 4 étoiles. On est là pour chill ici, ok? Donc comme d'hab, hein, il y a du combat. Donc, les adversaires, pardon, c'est du cryo. Pas mal de cryo, donc là, on va peut-être mettre du feu. Et de l'électrique, c'est bien, la team basique, quoi. Après équipe 3 feu aussi hein, en vrai un peu de dendro. Ouais, on peut un peu mettre de tout là. Équipe 2, je vais peut-être mettre E2, jouer le côté on va les je vais essayer de les geler quoi, même si ça va pas servir à grand chose je pense. Cryo mage de là ça me perturbe un peu. Peut-être mettre Kaouza sur le. J'allais mettre du électrique aussi, mais sur quel team je sais pas du tout comment faire là avec le Dendro. Pour faire un peu un mix des deux. On va le faire sur le dernier du coup. Tac, tac. J'essaie de faire des duos à chaque fois, tu sais, un peu pour faire des combinaisons un peu stylées. Mais bon, vous me connaissez, je suis pas très fut-fut dans le jeu, je suis pas très fort. Donc, on va faire ça, on va faire. C'est vrai que j'ai eux aussi que je peux mettre. Bah écoutez, on va tester elle du coup. Ça se fait des duos assez sympathiques. Après, je vais mettre le côté healer un peu partout, donc. En fait, j'ai pas des healers de ouf, tu vois. Qui est l'île, mais bon, c'est pas non plus la folie. Ici, on va mettre Bennett et ici Barbara, du coup, comme ça, on a nos 3 healers, mais bon, c'est pas les meilleurs healers que j'ai. Et ensuite, c'est vrai que j'ai ce mec, j'ai bien envie de le jouer aussi hein, pour le tester un peu le Zhongli là. Ouais, tac, tac, vas-y, on teste un peu Zhongli aussi. Et mon dernier, on va mettre du feu, pourquoi pas, avec Tao. J'ai 41 points, je crois qu'il faut 42, non, pour finaliser, pour tout truc. Ouais, bon, tant pis. Ajuster. Merde, ça a validé du coup. J'ai mis attaque. Ouais. Recharge d'énergie, c'est bien aussi. Hein. Augmenter la recharge. En fait, je m'en fous de ça parce que ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Hop, c'est quoi? On va faire ça partout, comme ça, on se prend pas la tête. Hop. 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 Ouais, tu vois, il manque un. Du coup, je peux pas mettre ça. Allez. Je ferai en x4, enfin en x4 x10 pour les points plus tard. Là, je veux vraiment juste voir un peu comment, quel perso il y a, etc. Histoire de voir un peu les confrontations que j'aurai à faire. Pour adapter mes teams, bien sûr. Oui, mais en fait, je vais juste jouer elle. Hein. Juste pas mec elle, en fait. Juste
trop fort, voilà. Après, c'est du 40, donc forcément, mais juste, il n'y a pas beaucoup de points, quoi. Je suis à peine à 200 points, vous voyez. Mais ça tue vite, ouais. C'est impressionnant, du coup. C'est rigolo, ouais. Ouais, comme ça tue vite, mais du coup, ça donne pas beaucoup de points, quoi. Parce que du coup il faut faire 5000 points, mais bon, x1 c'est extrêmement dur, mais c'est ça qui est bien. Du coup ça rajoute un peu du défi, tu vois, essayer de faire 5000 points en x1, mais c'est extrêmement dur. S'il y en a qui y arrivent, n'hésitez pas à me dire si c'est possible, je pense, hein, mais pour les plus tryhardeurs de vous. Et je me dis, le temps que ça respawn, etc., c'est vachement difficile, quoi. Tu vois, tu fais même pas 1000 points, alors je fais 800 sur la première. Ça reste sympa, tu vois, mais... Enfin, sympa. Pas tant que ça, mais... Ah oui, c'est sympa, ça. Ah, les animations qui durent 3 secondes, frère, je t'avoue... C'est perdre du temps, quoi. Limite, il faut jouer sans ulti dans ces modes là parce que tu perds 3 secondes à chaque fois, quoi, limite. Donc sur des défis à temps, bon, c'est important, quoi. Vous voyez là sur la deuxième, sur le deuxième phase, il y a moins de temps, je crois, et je fais moins de points aussi, quoi. Je crois qu'il y a moins de points, hein, parce que j'ai l'impression que ça va vachement vite, quoi. Genre j'ai déjà fini, quoi. Ah dommage. Ah ouais, là sur la deuxième, j'ai peut-être fait 500 points max, quoi. C'est hyper dur. Et là, il y a combien de temps, du coup? 1:30. Il s'agirait de toucher, quoi. Mais Navia, elle est depuis sa mère, en fait. Hein. Navia. Naïda, là. Le géo contre eux, ça aurait pu être efficace aussi, je suis un peu con. Je perds du temps là vite. Je le sème parce que j'ai perdu énormément de temps là. C'est ça mon problème, je perds trop de temps avec les ultis, les changements de perso, etc. J'aurais pu faire les 2000 points qui représentent... Ouais voilà, c'est ça. 1000 points, quoi, pour avoir juste les prix hauts. À la limite, 5000 points, on s'en fout un peu, tu vois. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire 2000, là, je sais. Ouais, vas-y, j'aime pas ce jeu, de toute façon, il faut trop de trucs précis, là, c'est trop dur. C'est très énervant. C'est très, 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 très énervant, en vrai. Mais bon, c'est comme ça.
Je prends la mienne, c'est plus intéressant parce que ça donne un éclair en plus. Je suis extrêmement déçu là de moi, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Hop, hop. Je vais lui donner des points quand même. Ah, il y a K, j'ai mis. Là, j'ai mis, là, j'ai mis. Attends, mais j'ai mis tous mes plus forts là déjà. C'est pas très cool. Mais je peux mettre deux fois le même perso du coup, mais ça me donne pas de points du coup. Ok, en fait, je peux mettre les mêmes persos en fait si je veux. J'avais pas compris ça. Mais juste, ça donne pas de points quoi. Oh, c'est con. Là, j'ai combien du coup? 43, ça passe. Let's go. Bon, je sais pas ce que je fais, hein. Je vous le dis. Hop, tu sais quoi, on va faire l'attaque cette fois-ci. On va changer un peu, on va varier. Ah, tu sais quoi, viens, on fait au pif. Hop, voilà, ça varie un peu le truc. Hop. On n'est pas là pour tryhard, hein. Je suis en détente, hein. Je vous le savez. Surtout pendant les vidéos, tu vois. Pendant les lives, je troll beaucoup plus, mais là, je suis en détente. Enfin, je troll pas, mais genre, j'essaie d'être un peu plus. Réussir un peu plus les choses, tu vois, parce que vas-y, j'aime bien. Et là, en vidéo, je vous montre juste les combats, quel type de bonhomme il y a, etc. Bon, je vous explique pas pourquoi du comment je prends quel perso. En soi, Hydro, si tu prends du électro ou du géo, c'est plutôt sympa. Surtout contre les bonhommes animaux là, hein. Je trouve ça vraiment sympa. Surtout l'électro, je crois. Hein. À mon souvenir, ça faisait pas mal mal. Mais bon, en soi, ça marche avec tout. Hein. Dendro aussi, ça marche plutôt bien. Voilà, bon, on est en 40, donc c'est compliqué à évaluer le truc. En vrai, en x1, le 2000 points, il est faisable. Mais le 5000, ça me paraît tellement difficile. Après, si vous arrivez chez vous, j'avoue, hein, mais... Ah, je fais 800 points, tu vois, je suis un peu sur les mêmes traces qu'avant, mais... Ah, tu vois, juste là, j'ai fait un changement de perso, ça a pris 20 ans. Oh non, il y a des aériens, j'aurais pas dû y penser. Bon, ça va, je les tue facile vu que je suis en 40 encore une fois. Pourquoi je peux toujours faire ça, hein? Ouais, c'était pour vous montrer, tu vois, histoire de les faire tomber, mais ça a pas marché déjà de 1. Hein. Si je peux monter jusqu'à 1500, ça me ferait plaisir, tu vois. Le temps que tu vises, tu perds du temps, donc ça sert pas spécialement à quelque chose de les faire tomber en vrai. Surtout que Novilette, il les atteint assez facilement en vrai. Vas-y, à vous montrer des trucs, je perds du temps du coup. Faut que je reste concentré sur ma game en fait, parce que je commence à faire le débile qui veut donner des leçons alors que ça sert pas à grand chose. Allez, va plus vite! Putain, 1400. Bon, là, j'ai que 600 points. Mais c'est tout le temps sur le deuxième tour où je pue sa mère. Genre. Je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de monstres, s'il y a moins de. Je sais pas trop c'est quoi le pourquoi tu commandes de la chose, mais. Ah oui, merde. Putain, je sais. Voilà, là, encore un changement de perso qui a pris 20 ans.
Allez, mourez, frère, comme vous faites les mecs là. Non, mais c'est trop! À chaque fois, je suis à 100 points! Oh, ça casse les couilles, vraiment! Putain, je peux le faire le 2000 points facilement, je suis sûr. Bon, les deux derniers, je les fais dans la prochaine vidéo. Putain, et le x1, carrément, le x1, c'est tellement plus intéressant du coup, parce que c'est tellement dur à avoir des points vu que t'en as pas beaucoup. x2, frère, tu fais les 5000 en 2, enfin, en x4 ou x10, tu le fais en 2 secondes, tu vois. Mais du coup, x1, ça donne de la difficulté pour avoir les points, quoi. C'est intéressant, mais. Ah, si vous êtes des tryharders, faites un fois, hein, c'est plus dur, hein, la vie de ma mère, pour faire les 5000 points. Mais bon, enfin, quoique, pour vous, c'est plus facile, mais. Enfin, ça dépend de votre style de jeu, quoi. Moi, je suis un gogol qui fait un peu n'importe quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même, hein, même si je suis nul. Bah, du coup, Yelan, hein, comme d'hab, un vœu de fin de vidéo. Comme d'habitude, je fais ça. Voilà, c'est du bleu, comme d'habitude. Du coup, l'ombre fureuse, comme d'hab, hein, de la merde. Donc, on garde les primos pour le live prochain. Voilà, où on se fait des grosses ouvertures à la fin des lives, hein, bien sûr. Enfin, grosses ouvertures, on essaie d'en faire 10 ou 15, quoi, des vœux. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous convient. Comme ça, je peux gagner encore plus en abonnés, en visibilité, etc. N'hésite pas à me. Bah, pas me dire de trucs, de toute façon, parce que je vais pas changer ma façon de jouer, donc voilà. J'aime bien être nul, ça me va totalement. Puis rager, ça fait du bien de temps en temps. Je suis seul mec qui dit ça, mais en vrai, toujours ça fait du bien, tu t'exprimes comme ça, tu fais sortir ta haine et tout, c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est une façon d'extérioriser un peu son mal, c'est pas mal. Bref, je laisse là-dessus, c'est mieux de s'énerver sur un jeu vidéo que sur des gens dans la vraie vie, on est d'accord, je pense, sur ça. Bref, je vous laisse là-dessus, et puis si vous voulez parler sur les réseaux, n'hésitez pas, Instagram, Snapchat et Discord, je suis là très rapidement, enfin je réponds facile, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ciao.